Good morning, Aleiden, les tous aujourd'hui, les Louinishmat, Nissim ben Aruda, Sarah Betran Rachel, ainsi que l'Irfuat, Eliaou Machlouf ben Chan Rachel, Ariakiva ben Shachar, Raphaël Zvulun ben Chayam Alia Betoch Shar Chole Israël. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étudions Maserhet Avot, Perek Vav, Mishnah Zain, Gedola Torah, Shehi Notenet, Chaim le Oseha, Baolam Aze, ou Baolam Abba. Sheneemar, ki chaim hem le motzehem, ulchol besaro marpe, ve omer, rifut tehi le sharecha, ve shikui le atzmotecha, ve omer, etz chaim hi la machazikim ba, ve tomche ha meushar, ve omer, ki leviatchen hem le roshecha, ve anakim le gargerotecha, ve omer, titen le roshecha leviatchen, ateret tiferet temageneka, מגניך, לא יודע. ואומר, כיבירו ימיך ויוסיפו לך שנות חיים. ואומר, אורך ימים במינה, בשמאלה, עושר וכבוד. ואומר, כי אורך ימים ושנות חיים ושלום יוסיפו לך. ואומר, דרכיה, דרכי נועם, וכל נתיבותיה, שלום. La Mishnah nous enseigne comme ça. Gedola Torah. La Torah est grande. Shehi notenet chaim le oseha ba'olam hazeh ou ba'olam haba. Car elle donne de la vie à ceux qui l'accomplissent, c'est-à-dire qui l'étudient et qui l'accomplissent, ba'olam hazeh ou ba'olam haba, dans ce monde présent comme dans le monde futur. Soit, c'est ça, tout le principe de la Mishnah, c'est nous enseigner ça, celui qui ça donne à l'étude de la Torah et qui l'accomplit, bien sûr, alors la Torah lui assure vie sur, dans ce monde présent et même au monde futur. Et de ce fait, toute la Mishnah maintenant va nous apporter plein de psukim, apparemment en vrac, qui ont pour principe en fait de nous montrer plusieurs aspects de lorsqu'on parle de que la Torah donne la vie dans ce monde présent. Ça implique qu'elle va nous donner la santé, qu'elle va nous donner nos besoins, qu'elle va nous donner de la fierté, qu'elle va nous donner de la tranquillité, et même aussi qu'elle va nous faire vivre au monde futur. Là, ce sera un petit peu plus délicat, comme on prouvait. On va surtout parler, en fait, du corps qui est une fois qu'il se fait enterrer, que la Torah le protège, comme ce qu'on va voir, justement. Donc, de ce fait, la Mishnah va nous rapporter plusieurs psukim, essentiellement tirés de Michelet, tous tirés de Michelet, même, du passage de Michelet. Dans Michelet, le livre de Michelet de Shlomo HaMelech, il y a là-bas quelques prakim, particulièrement au début, où c'est la Torah elle-même qui parle, et qui promet toutes ses vertus, tous ses bienfaits à celui qui va s'attacher à elle. Et donc de ce fait, maintenant, de chacun des versets qu'on va rapporter, on va déduire un aspect particulier, une des bontés, un des bienfaits que la Torah va lui assurer, essentiellement dans son monde présent, et aussi un petit peu dans le monde futur. Et donc du coup, ça va nous faire, il y aura plusieurs avis comment interpréter ça. On va de manière générale, on va expliquer ça de manière simple. On a l'avantage d'avoir Rashi qui a expliqué cette Mishnah. On va suivre Rashi et de temps en temps, on va compléter un petit peu avec du Tiferet Israël, un petit peu de Midrash Moel, Bezant Hashem. Donc du coup, on a dit que la Torah va nous donner de la vie dans ce monde présent et dans le monde futur. Chez Nehemar, comme le Pasuk nous dit, « Ki chaim hem le motzehem, ulchol besaro marpe. » Ki chaim hem, car ils sont de la vie pour les motzehem, Chazal interprète, ceux qui vont les trouver, c'est-à-dire celui qui va chercher la chokhmah, la sagesse, la chokhmah, la Torah. Alors, une fois qu'il va la trouver, elle va lui donner de la vie. Chazal interprète même les motzi ehem. Il rajoute un petit yud, en fait, pour nous dire, pour celui qui vont le faire sortir, le motzi ehem, mais à paix, pour nous, ceux qui vont étudier la Torah avec la bouche. D'accord? Le motzi ehem. En tout cas, elles seront une de la vie. Ulchol besaro marpe. Et pour toute sa chair, pour tout son corps, ce sera un remède, une guérison. Alors de là, on déduit déjà donc qu'elle nous donne de la vie, le souffle de vie. En plus de ça, elle nous guérit même les chol besaro marpe, elle nous guérit notre chair, la chair du corps, quoi. Veomer, et en plus, elle nous dit encore, rifut tehi le sharecha, elle sera une guérison, un remède, une protection pour les sharecha. C'est comme dans Shirachirim, shorerecha ganasar. Shorer, c'est-à-dire ton ventre, tes tripes. Donc, ce sera une guérison pour tes tripes, elle te protégera. Veshikui le atzmotecha. Shikui, Rashi l'explique, ça vient de mashke. Pour tes os, ce sera un mashke, une boisson.
Ouais, quelque chose qui va entretenir en fait tes os. Et là, on fait allusion, selon Rashi, on fait allusion au Kever, lorsqu'on se fait enterrer, que la Torah continue à faire que nos os ne vont pas se dessécher, au contraire, elle va être là en train de maintenir les eaux humides et les entretenir, d'accord? Et donc ça fait que le premier passouk c'était de manière générale la vie sur terre, et le deuxième passouk nous fait plutôt allusion maintenant à la vie au monde futur. Alors, au monde futur, c'est-à-dire lorsque le corps décède. Le problème que j'ai, c'est que le monde futur, on parle du Olam Haba, il y a plusieurs niveaux, c'est quoi le monde futur? Et une fois que l'homme meurt, alors son corps repart à la terre et son âme monte au Olam HaNeshamot, au Gan Eden. Mais ça, c'est une étape intermédiaire en attendant la résurrection des morts et en attendant ce qu'on appelle le Olam Haba, lorsqu'Hachem va renouveler le monde et va donner le Olam HaGmoul, le septième millénaire, Bezrat Hachem, qu'on attend tous, amorcé par le Mashiach, qui est une première étape. C'est pas encore, Mashiach, c'est pas encore le monde futur. Mashiach, c'est on augmente la cadence pour se préparer au monde futur. D'accord? Bon, on a déjà parlé de ça dans 5 minutes, essentiellement, on avait rapporté dans les 13 Ikarim, il y a quelques années déjà. Donc, Rif'ut Tehi Lesharecha Veshikui Latzmotecha, on fait allusion donc que la Torah va maintenir nos os. Donc, pour le moment, on a le souffle de vie, on a un petit peu la guérison, on ne va pas avoir de souffrance physique. Et le passage continue en nous disant Etzra've Omer, Etzra'im Hi Lamachazekimba, Vetomchea Meushar. Littéralement d'abord, c'est un passage qu'on chante tout le temps, qu'on mentionne tout le temps, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Etzra'im Hi, il est un arbre de vie, un bois de vie, la machazikimba, pour celui qui s'accroche à lui, les tomchés à et ceux qui le soutiennent, qui sont tomchim, ota, tomchim ota, ceux qui s'y attachent un petit peu, meouchar, ils seront aussi heureux. On fait en fait allusion à deux niveaux, ça peut être de plusieurs manières, il ne faut pas trop s'éparpiller, mais quand même. C'est interprété ici dans le Sefer Alikoutim, parce que je vous ai dit que je pense que c'est au nom de Reprem Nibologine, qui nous rapporte en fait que y a c'est deux niveaux en fait, comment entretenir la Torah. Il y a celui qui prend la Torah, il l'attache, il la serre fort, comme si qu'il l'attrapait un arbre, un bout de bois en pleine mer, en haute mer, c'est sa seule bouée de sauvetage, il s'y attache en attendant d'être porté vers le littoral. Ça, c'est ce que ça vient de se manger. Etraimhi la machazikima. Elle est un arbre de vie pour celui qui s'y attache. Avec elle, par elle, il va pouvoir surmonter toutes les épreuves, toutes les difficultés. Et même, vetomchea meusha. Et ceux qui s'y attachent, même un petit peu, eux aussi, ils jouiront quand même d'une satisfaction pas aussi forte que celui qui va obtenir, qui va s'y attacher au etraim. D'accord? Il y a maintenant, selon Rashi, on parle déjà donc du monde futur, de nouveau. Quel sera un arbre de vie? Ouais, ça correspond ça dans le même sens. Selon Rashi, on parle de que c'est un arbre de vie pour le monde futur, et c'est mieux précisé dans le Tiferet Israël, qui nous rapporte que le Etzraïm, ça fait allusion au Etzraïm qu'il y avait dans le Gan Eden. Donc, il est là l'arbre de vie avec lequel on va obtenir la vie éternelle. D'accord? Comme il y avait au Gan Eden, quand Hachem a créé le monde, il y avait le Etz Achaïm, Vetz Adato Vara, et le Etz Achaïm, c'était celui qui le mangeait, il vivait. Si on le mangeait, on vivrait éternellement. C'est donc, ça nous vient nous enseigner que la Torah, elle est le Etzraïm pour celui qui l'attache. Et Meushar, le Osher, Amiti, la plénitude de l'âme, ça fait aussi allusion au Olamaba. Donc là, de nouveau, il y a encore écrit que justement, la Torah, elle va nous protéger. Donc, sur terre, elle nous donne la vie. Ensuite, une fois qu'on décède, alors, elle nous maintient nos os de ne pas souffrir. Et en plus de ça, elle nous fait ensuite, pour la résurrection des morts, elle nous donne l'arbre de la vie, la vie éternelle. Ensuite, Veomer. Et en plus, maintenant, on va revenir vers les vertus de ce monde présent, en exprimant qu'elle va te donner, que la Torah elle va te donner l'aisance matérielle, tout le matériel nécessaire, par elle tu vas l'obtenir, puisque tu t'y attaches. Alors elle va se soucier que chacun avec ses petits moyens, il va réussir à avoir plein. Elle va te donner de la fierté, elle va te donner de la paix et de la tranquillité. C'est ce qu'on va voir maintenant dans tous les prochains psukim. Veomer, et aussi le passage nous dit encore, qui le viatren hem le roshecha. Vanakim le gargerotecha. Littéralement d'abord. Car elle est une couronne de grâce pour ta tête et des colliers pour ta gorge. En Mélitsa, comment dire la Mélitsa en parabole, en métaphore, dans le monde de la poésie, quoi, de la Torah, alors on fait allusion à la tête, à la pensée, que ta pensée elle est profonde. Et Anakim, la gorge, c'est par là qu'on parle.
Et donc, lorsque tu as une gorge splendide, ça veut dire que tu dis des belles choses. Donc, de ce fait, la Torah, là, maintenant, ils viennent nous dire, grâce à la Torah, tu seras sage. Les gens te respecteront ta sagesse. Et en plus de ça, ils seront impressionnés toujours par tes conseils, par tes belles paroles sages que tu pourras prononcer. Et ensuite, Véomer. Le Rashi, juste précisons que selon Rashi, il rajoute que grâce à la Torah, tu obtiendras grâce aux yeux des gens. Dès que tu dis ça, tu fais allusion au fait qu'elle te donnera aussi tous les moyens matériels, parce que malheureusement, Baalamea, Baaladea, celui qui détient l'argent, c'est celui qui détient le pouvoir, celui qui détient tout. On peut être très intelligent. Si on est pauvre, on ne se fait pas écouter. Comme ça, Chazal nous disent. Donc, de ce fait, pour que tu puisses te faire écouter, ça implique que forcément tu auras aussi tout le matériel nécessaire pour te faire respecter. D'accord? Ça fait. Donc, là, ici, donc, on parle de la hiérarchie de la richesse. Ensuite, Véomer, Titan et Rocher Khalviatren, Ateret Tiferet Temagenega. Je n'arrive pas à voir si j'ai un point chez moi. Je suis sûr que j'avais dans Micheline, il me semble que c'est Temagenega. Il y a marqué Temagenega. Je ne sais pas comment ça se lit. On va voir qu'est-ce qu'on a écrit dans les 5 minutes, excusez-moi, juste, ça m'intrigue. C'est important de. Ouais, Temagenega. Temagenega. D'accord? En tout cas, c'est le principe, c'est un problème de grammaire, tout simplement. En tout cas, Keleviatren, et Titan et Rochecha Leviatren, la Torah elle te donnera à ta tête, donc de nouveau, Leviatren, une couronne de grâce, à Teret Tiferet, une couronne splendide qui te protégera. Et ça implique que tu seras respecté par tout le monde, que personne ne pourra te nuire. Même ceux qui seront, en théorie, tes ennemis, ils seront impressionnés par toi. Donc c'est une protection supplémentaire. Ensuite, Véomer. Ki bi yirbu yamecha ve yosifu lecha shenot chaim. C'est le passage que les petits vieux adorent chanter à la Zbeta Knesset. Ki bi yirbu yamecha. Et bien voilà, il est là. Ki bi yirbu yamecha. Car en moi, tes jours, ils grandiront, ils se multiplieront. Et ils te rajouteront des années de vie. En moi, ça veut dire en moi, en la Torah. C'est la Torah qui parle. Ensuite, Véomer. Et en plus, la Torah continue en nous disant Orech Yamim Bimina Bismola Osher Vechavod. Là, c'est une restriction. Ça vient et ça nous dit il y a deux manières d'étudier la Torah. Il y a la Torah de la droite et la Torah de la gauche. La Torah de la droite, c'est celle qu'on fait les Shem Shamayim. Pour l'honneur d'Hachem. Et la Torah de la gauche, c'est celle qu'on fait parce qu'on a un petit intérêt, on a envie de, par là, ça nous donne de l'honneur, ça nous donne de la fierté. Alors, c'est pas négligeable, mitor chez l'olishma, l'ishma, ça passe par là. Le Rambam insiste beaucoup dans le Yad Hazaka, dans les Chotam Torah, qu'il faut commencer à étudier la Torah, l'olishma, pour des intérêts, pour gagner un petit quelque chose, quand on est petit, un bonbon, quand on grandit, une petite voiture, et puis après, même plus, après même de l'argent, jusqu'à la fin, on s'y habitue à étudier, jusqu'à la fin, on va réussir à étudier la Torah l'Ishma. D'accord? Mais en tout cas, la Torah maintenant, la Mishnah vient nous enseigner, ça c'est étudier la Torah de droite, ou la Torah de gauche. Orech Yamim Bimina, lorsque tu dis la Torah à sa droite de la Torah, c'est-à-dire que tu prends la Torah comme il faut, que tu l'étudies l'Ishma, alors elle te donnera Orech Yamim, la longévité, et bien évidemment aussi Osher Vechavod et tout. Toutes les bonnes vertus, mais même la vie longue. Tandis que Bismola, Osher et Chavod, à sa gauche, tu auras juste Osher, la richesse, le Chavod et l'honneur, mais tu n'auras pas plus la longue vie. Elle ne te donnera plus la vie éternelle aussi largement. Elle te donnera un petit quelque chose, mais la vie, mais elle ne te rallongera pas tes jours, plutôt tes jours sur terre, pas la vie éternelle, tes jours sur terre. D'accord? Comme ça, c'est interprété par Rashi de nouveau. Ensuite, Ve'omer ki orech yamim ushnot chaim ve'shalom yosifulach. L'ajout de ce pasouk, c'est d'avoir ajouté le shalom. Ki orech yamim, car des jours longs, ushnot chaim, et des années de vie, ve'shalom, et de tranquillité, de paix avec tes voisins, avec tout le monde, yosifulach, on te rajoutera par la Torah. Ve'omer, et la Torah nous dit, derachéa, d'Arike Noam, Vechol Netivote HaShalom, Vechol Netivote HaShalom, en te disant que tous ces chemins sont des Darke Noam, des chemins agréables, de Ne'imut, Vechol Netivote HaShalom, et tous ces sentiers sont de la Shalom, du Shalom, de la paix. Donc dans tout ce que tu pourras entreprendre grâce à elle, tu auras réussite, tu auras la plénitude, et tranquillité, sans avoir des ennemis, et voilà, ainsi de suite. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Sarah.